Donc aujourd'hui, on est samedi matin. Et donc, mon voyage a commencé hier. Sur Instagram, qui me demandait mais tes parents sont séparés C'est les nouvelles, ça, celles qui sont pas au courant. Non, mes parents sont pas séparés. Mon père a eu un poste hyper intéressant de directeur de centre de formation à Toulouse. Donc, il est le directeur du centre de formation aéronautique de Toulouse. Et donc, du coup, il a accepté ce travail parce que la crise, parce que la réforme des retraites, parce que voilà. Parce qu'on construit la maison au bled, voilà. Du coup, il habite à Toulouse depuis, ça fait plus d'un an maintenant, c'était en septembre 2021. Et voilà, donc il fait les allers-retours en fait. Il rentre certains week-ends et ma mère vient certains week-ends. Ils ont une relation à distance. Et ils sont trop mignons parce que après 40 ans de mariage, ça fait une nouvelle flamme dans leur couple, quoi. Ils font des dates, etc. Ils sont trop mignons. Donc voilà. Donc ma mère arrive aujourd'hui à 14h. On est samedi. Elle voulait pas rater son groupe de prière vendredi soir. Donc du coup, elle n'est pas partie avec nous. Moi et Baby Cerise. Et elle ne part du coup que ce matin. Elle est déjà dans le train. Elle est à 14h. Donc nous, on a pu intégrer notre appart-hôtel. J'ai pris un appart-hôtel que j'ai trouvé sur Booking. C'est pas mal. Ça se veut un peu luxe, mais c'est du vieux luxe. Donc je pense que c'était luxueux il y a... Luxueux. Je pense que c'était propre et classe, on va dire, il y a 10 ans. Pour pas dire 20. Et voilà, donc bon, ça va, ça fait l'affaire. Un peu déçue, une odeur de cigarette un petit peu en arrière-fond. Quand on est arrivé hier, ça sentait hyper bon, mais en fait, c'est parce qu'ils avaient mis beaucoup, beaucoup de parfum. Ce matin, avec le truc d'aération, quand on a ouvert les fenêtres, etc., on sent bien que, ouais, non, en fait, il y avait bien une odeur de cigarette un peu incrustée dans les murs et tout ça. Donc, bon, moi qui ne fume pas et qui déteste l'odeur de tabac froid, c'est un peu... Voilà. Et puis, il y a des petites traces, des joints qui sont mal finis, genre de trucs, voilà. Mais on sent qu'ils ont essayé, donc bon. C'est pour 3 jours, je vais pas faire ma relou. Mais voilà, donc est-ce que je le recommande? Je sais pas trop. Pour un petit séjour, oui. Mais sinon, jusque moi, je préfère les appart-hôtels quand on est avec des enfants parce que bah, y a une cuisine. Et ce qui fait qu'on peut, bah, en fait, tout simplement cuisiner... préparer quelque chose, je peux préparer des trucs pour Baby Cerise. Là, ce matin, elle a pris son lait avec ses chocs à pic, chose qui n'aurait pas été forcément possible à l'hôtel sans payer le petit-déj. Alors que là, on va aller rejoindre mon père pour aller prendre un brunch. Mais Baby Cerise s'est réveillée à 9h, ce qui est très exceptionnel vu qu'on est arrivé hier à 1h30 à la gare, donc on s'est pas endormi avant 1h45, 2h du matin. Donc là, le programme, et on est un peu en retard, c'est qu'on doit aller rejoindre mon père. Ce sera bien sympa. Je pense qu'il voulait nous montrer son centre de formation et ensuite
nous montrer les trucs un peu sympas à Toulouse. On patiente, après on va aller au restaurant, puis après on va patienter jusqu'à ce que ma mère arrive et puis on continuera de faire des petits trucs sympas. Nona! En fait, ici, on reconstitue. Tous les tuyaux d'aération. Je vais te montrer comment. Voilà. Pilote reste. Alors, tous ces appareils-là, on les a tous. Donc, c'est les mécaniciens système qui travaillent, qui ont du freinage et tout ça. Je vais te montrer. Au moment où il atterrit. Il faut inverser la poussée. Et ça sert à quoi?
Alors, c'est cet atelier-là qui est partagé aujourd'hui entre les mécaniciens et les ajusteurs. Vas-y. Ah, dis donc, c'est blindé. Hello. Une matinée vraiment qui a du mal à démarrer. Ok, je viens de déposer Mini Cerise chez ses grands-parents. Et moi, du coup, je rejoins une amie très chère à moi. Que vous avez déjà vue, je pense, sur ma chaîne si vous me suivez depuis très longtemps. En fait, c'est Gabrielle. Et Gabrielle et moi, on se connaît depuis la prépa. Donc, il y a... C'était en 2008. Donc, il y a 12 ans, 13 ans. Aïe, aïe, aïe. Et on n'a pas arrêté de s'aimer, on peut dire ça comme ça, depuis toutes ces années. Gabi a beaucoup voyagé, moi finalement pas tant que ça. Ça n'a jamais entravé notre amitié. Au States, elle a vécu au States pendant un moment. Elle a vécu en Portugal pendant un moment. Et en Savoie, il me semble. Et là maintenant, elle est à Toulouse. Et donc c'est parfait. Et donc du coup, on va bruncher ensemble. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai laissé Baby Cerise à ses grands-parents. Et voilà, petit déj. Alors, Baby Cerise, du coup, comme on a fini de dîner hier à 23h, enfin, on est rentré à la maison à 23h, elle était complètement KO. Malheureusement, j'ai dû la réveiller à 9h. Voilà, pour être à l'heure. Mais ça ira, elle va bien dormir à la sieste. Et puis voilà. Donc, let's go. On va dans un joli petit truc de brunch. Je ne connais pas trop, mais on va découvrir. De passer ce moment là avec Gabriel. Du coup, je vous ai pas trop filmé, un petit peu. On est d'abord parti manger dans le petit salon de thé là, qui était vraiment très très bon. Et d'ailleurs, j'ai croisé l'une de vous qui tenait la caisse, du coup, qui était serveuse là-bas. Ça m'a fait super plaisir et super bizarre également. Et ensuite, on est allé dans un café parce que du coup, il y avait le deuxième service qui allait être lancé. Comme on n'avait pas fini de tout se raconter, on est parti dans un café et c'était super cool. Et là, du coup, je rentre chez mon papa. Alors, c'est le dernier jour à Toulouse. On a rendu l'hôtel. Et là, on va dans un parc de jeux que Mini Cerise a vu quand on était dans le Minotaur. Donc, on y va. Elle est complètement malade. Complètement enrhumée. Oh, il n'y a pas de passage. Et donc, je l'ai blindé, collant, pantalon, papa, et on y va. Here we are, every speck of weather is impeccable when you are near. That's the truth, my dear.
You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact. In tandem, we're dancing. Till the nighttime laps, we're in the daytime stranded. Your self-esteem tastes candid. But damn, it's hard to make a man with empty hands feel hands full of love. Like, damn, this is a glove. Feel like the wintertime sun. Till our hands move backwards. Don't make a sound, it's so fragile. Walk that we tread in too casual. No, I've had it good since I've had you. No, I'm scared as fuck, this is sad tune. But this embrace feel natural. I wanna stay till pasture. Even if it means I gotta face the music and hear the sound of being happy. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear.